Le jardinier et son seigneur. Dans cette fable, La Fontaine va nous raconter l'histoire d'un jardinier cultivant sur les terres d'un grand seigneur. Un amateur du jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait de plan vif fermé cette étendue, là croissait à plaisir l'oseille et la laitue, de quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne et force serpolée. Cette félicité, par un lièvre troublé, fit qu'au seigneur du bourg, notre homme se plaignit. Ce maudit animal vient prendre sa goulée soir et matin, dit-il, et des pièges se rit. Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. Sorcier, je l'en défie. Fût-il diable, Miro, en dépit de ses tours, l'attraperai bientôt. Je vous en déferai, bonhomme, sur ma vie. Et quand? Et dès demain, sans tarder plus longtemps. La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. Ça! Déjeunons, dit-il. Vos poulets sont-ils tendres? La fille du logis, qu'on vous voit, approchez. Quand la marierons-nous? Quand aurons-nous des gendres? Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez, qu'il faut fouiller à l'escarcelle. Disant ces mots, il fait connaissance avec elle, auprès de lui la fait asseoir, prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir. Toute sottise dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'au père, à la fin, cela devient suspect. Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine. De quand sont vos jambons? Ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le seigneur. Je les reçois, et de bon cœur. Il déjeune très bien, aussi fait sa famille, chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentés. Il commande chez l'hôte, il prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les cors font un tel tintamarre que le bonhomme est étonné. Le pis fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre potager. Adieu planche, carreau, adieu chicorée et poreau, adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre était gité dessous un maître chou. On le quête, on le lance. Ah! Il s'enfuit dans un trou, non pas trou, mais troué, horrible et large plaie, que l'on fit à la pauvre haie par ordre du seigneur, car il eût été mal qu'on eût pu du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait: ce sont là un jeu de prince. Mais on le laissait dire, et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps que n'en auraient fait en son temps tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres. Fini? Ouais. Ça, c'est pour la femme. Mais oh! Non, mais la caresser comme ça, tu la connais pas? Mais c'est pas moi, c'est le seigneur qui sait pas se tenir. Moi, c'est pas ma faute.
Mais quand même. C'est le personnage. C'est le personnage qui est le c'est pas moi. Pas une raison. Bon, mais les baffes sont pour moi.